Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice, c'est aujourd'hui la suite de votre aventure sur Neverwinter Night. La suite de ce gros jeu que je n'ai pas touché depuis 3 mois. Là, cette fois-ci, dans cette session, on va s'attaquer, j'espère vraiment, à la quête principale. Donc déjà, je vais voir les quêtes où on en est. On était sur le level, sur la route de la star. J'ai un compagnon d'armes, donc ça c'est normal. Le récit d'arrivée, ça c'est normal. La traque du cul, voilà. Alors, un agent du culte, les Ganon, a découvert puis tué le journal qui entreprend lui. Ne dit pas où situer le culte, mais il indique que d'autres. Voilà. On a été envoyé au bois roussi au sud et au bois de pas d'hiver à l'est. Voilà, et c'est donc là que l'on devait aller. On devait aussi sur la route de l'est. Alors ça, je m'en occuperai plus tard. Et ce qui se cache en dessous, c'était... Ah oui, c'était Jacques, ça nanana. Alors... Ah oui. Oui, ça, je m'en souviens. Et j'ai fini 4-4. Donc du coup, là, ce qu'on va s'attaquer, c'est la traque du culte. J'avais dans l'idée de commencer par boire aussi au sud. Voyons. Donc, route du sud, boire aussi. Et route de l'est, boîte pas d'hiver. Là, je suis ici... on va aller par là-bas. D'ailleurs, je viens de découvrir que si je regarde pas ici, j'ai le mois, le jour et l'heure qu'il est. C'est incroyable, on découvre des choses. Et donc, on va aller tranquillement au bois de Palivert. Au bois, voilà, on va découvrir une zone. Ça va être cool. J'ai la magie de potion, j'ai toujours un sort au cas où. Et puis, on est bien. J'ai fouillé tout cet endroit. Oh, calme-toi le chien. Allez, on y va. Je ne sais pas combien de temps va durer cet enregistrement. D'ailleurs, tac, je mets ça. J'ai mis le temps. Je suis... Alors, attendez, c'était là. La route de l'est vers la boîte de pavillère. Oui, j'avais exploré cette zone. C'était là où j'ai fait un gros donjon. J'ai pas marqué l'endroit où je suis. Non. Alors, mettons que c'est le bois. Du coup, je pourrais peut-être rendre la quête à quelqu'un là. Archéologue. C'est quoi ça? Oh bah, j'ai pas fouillé le coffre. Il restait un coffre. Oh puis il reste. Oh bah, il restait un coffre et une caisse. Oh bah, c'est la meilleure. Alors, dans ce coffre, 12 pièces d'or. Petit, mais quand même. Bon. Un total de 27 pièces d'or, je dis pas non. Il faut que je trouve Jax, parfait. Parlons-lui. Vous êtes déjà de retour. Oui, j'ai trouvé le livre. Mais oui, fabuleux. Fabuleux. C'est incroyable, n'est-ce pas? 500 pièces d'or. Persuasion, réussi. Alors combien? Allez, c'est 150 PO, 500 points d'XP. Excusez-moi, mais je pars pour eau profonde. Oula, mec, eau profonde, s'il te plaît. Et donc voilà, ça c'est une quête de fait. Donc du coup, tant qu'on est là, trouver Janice. Trouver Janice, parce que si je peux rendre des quêtes, hein, voilà. Quartier des arcs. Les archéologues. On va aller là. Rendre mes quêtes petit à petit. Ah, j'ai pas pensé à aller là, vous. Allez voir Ribes. Salutations. Ah, le con. Bien bonjour. Oh oui, j'ai trouvé ta maman. Oh, allez. On va prendre et 250 PO. Ça, c'est fait. Donc les deux quêtes de cette zone sont... Mais laissez-moi passer, putain. Laissez-moi sortir. Donc les deux quêtes de cette zone sont rendues. C'est super. Direction le bois. Le bois, demi-tour. C'est ici, le chemin. Ah, un magnifique écran blanc qui symbolise le tonnerre, et oui.
incroyable. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas? Non, c'était l'autre chemin. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un jeu pareil? Là, toute cette zone, je l'ai fini, je l'ai torché. Il n'y a plus rien. Donc, de suite, normalement, le bois de Palivair. Allons-y, découvrons ensemble à nos lieux. Campement des druides. Allons-y, ça c'était un bruit de porte. Oh, très très belle musique. J'attire votre attention cependant sur l'arrière. En effet, si vous le remarquez, il n'y a pas de porte. On entend des bruits, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est beau, c'est la nature. Et là, vous voyez, une sorte de miroir. Sauf que ce n'est pas un miroir, on dirait un prolongement. Et ça, c'est beau. Quel magnifique endroit. Un endroit qui doit être vierge de toute créature, même si on entend les arbres craqueler. Regardez-moi ce magnifique cerf. Regardez, promenons-nous dans ce bois magnifique, peuplé d'êtres étranges. Tout de suite, le jeu devient une simulation de promenade. Admirez cette faune, cette flore unique. Voyez comme la paix et l'harmonie soutient ce lieu. Vous voyez ce petit lac, ce simple lac. Voyez. Eh bien, ce lac abrite en son sein plusieurs espèces sans doute encore inconnues dans ce monde. Et ça, c'est très beau. Vous voyez aussi une tente qui était formée naturellement par l'homme. Ce qui signifie qu'il y a sans doute des traces. Explorons un peu plus en profondeur. Là, vous voyez du feu et des barriques. Barriques qui poussent essentiellement à cet endroit. Alors là, bien sûr, à ce moment-là, je me fous de votre gueule. Et là, nous voyons une impasse. Une impasse, un coin sombre, auquel des prédateurs pourraient vous trouver et vous tuer. Et là, vous voyez un coffre. Ce coffre qui a été découvert en 1954. Alors, il y a un piège, évidemment. Donc des amorçons le piège. Alors il y a des tentes, il y a des barriques et tout. Alors ça on a un premier campement. 14 pièces d'or. Je crache pas dessus. Une potion de soin et 9 pièces d'or. Ah c'est beau, c'est beau. Parce que regarde, les limites du jeu, on dirait des un ensemble de grosses roches. Voilà. On va continuer à longer. Découvrir cette forêt, cette forêt. Regardez-moi ce cerf. Ce cerf majestueux. Qui n'a pas peur? Il ressent le contact humain. Il fait sa vie. Ce cerf ne sait respecter l'humain. Et là, nous avons des voyageurs. Ok, ça s'annonce mal. Un homme endormi. Janken. Oh putain. Janken. Donc plus qu'une cerf et ça fait Jankenpo. Alors évidemment le Jankenpo, qu'est-ce que c'est? C'est notre équivalent de pierre feuille ciseaux. Ah c'est un endroit calme. Oh armure, armure. Oh je t'aime. Est-ce que je peux la mettre attends, dégage. Non. Est-ce que je peux mettre cette belle armure qui me donne? C'est de la merde. Ah c'est de la grosse merde. Je la remonte, ouais. Alors parlons un petit peu à ces personnages, mais d'abord fouillons cette barrique. La barrique. Le feu me gêne, le feu est solide. Ah mais c'est... Voilà, très bien. Ouh. Ouh, demi-tour. Le jeu, réponds. Allô? Oui. Une potion de peau d'écorce qui augmente la défense. Oui. Ce cerf est magnifique. Alors parlons à Janken. Bonjour. Bonjour, Janken, eh ben, quel est cet endroit? C'est le haut, quel est le haut du bois de Valière? Nous sommes ici pour étudier, protéger la nature. Et quel est votre rôle? Nanana, comment ça fonctionne-t-il? Blablabla, qu'est-ce qui ne va pas chez les animaux? Blablabla, blablabla. Oh, une quête, eh bien, très bien, allons voir l'esprit de la forêt, ce sera notre défi. Je peux vous défier? Qui commande? D'accord. Ok, je peux vous défier? Non mais merde, ok, merci beaucoup. Alors, Edgar. Salut. Wesh. Ça va?
Vous êtes qui? C'est quoi les cercles? Qui est le responsable? Ah, ville. Quel genre d'ennui? Ah, vas-y, dis-moi les épreuves. Emmène. Non mais, les défis. Alors, attends. Si vous êtes druide et que vous voulez vous joindre à l'assemblée, vous prenez le malheur qu'on va y a 4 cercles druidiques dans ce bosquet. Ok. Ok, ça marche. Non, pourquoi tu fais des grands gestes avec tes mains? Alors là, vous voyez, nous sommes dans un endroit, je pense que ça va être l'endroit le plus calme, avec la communion de la nature, les animaux qui ont peut-être vécu avec les gens. Qu'est-ce que c'est que... Il y a un coffre piégé. Je l'ai senti. Et mon aura de voleur l'a senti. Parce qu'il est devenu rouge. Ah, allez. J'étais à 1 mètre du coffre. Alors, c'est un endroit extrêmement calme. Et en plus, il y a des défis. Et les défis, j'aime ça. Donc, on va continuer. Le campement de druides. Oui, c'est le campement des druides là-bas. Continuons d'inspecter cette forêt. Enfin, ce bosquet. Rien de tel que de vivre en des temps troublés pour mettre son courage à l'épreuve. Ne trouvez-vous pas? Oui, pas du tout. Mais que se passe-t-il? Bête. Que faites-vous ici? Plus je défie dans des druides. Mais merde! Je veux faire partie de votre groupe. Je demande que ça. Ça doit être cool de communiquer avec la nature. Les petits oiseaux, les écureuils, tout ça. Sans deck, ça doit être cool. Il y a un coffre. Quand vous pouvez le faire. Heureux de vous voir. Bonjour, je m'appelle Becker. Je suis... je suis moi. Ça veut dire... Jair. D'accord. Réussi, très bien. Hein, raconte-la. Il y a environ un an, je suis venu à ce bosquet dans l'espoir de me joindre aux druides. J'ai parlé à Avil, l'archidruide, qui m'a dit d'aller parler à Jair. Jair est la druidesse chargée de mettre à épreuve les nouvelles recrues. Jair m'a dit que l'épreuve consistait à défier un autre druide lors d'un combat dans la fosse. Je pensais être prêt, naturellement. Alors je lui ai demandé d'organiser l'épreuve. Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas que je sois prêt, et je voulais l'impressionner. J'ai été téléporté dans la fosse et nous avons commencé à nous battre. Mais ce druide a lancé un sort qui m'a embrumé l'esprit. Et la seule chose dont je me souvienne, c'est de m'être retrouvé ici, sur le sol. Je me suis senti humilié, et Jair m'a dit de me relever, de m'améliorer. Mais ensuite, je me suis entraîné pendant 11 mois. 11 mois sans S, très important. En regardant les autres combattre dans la fosse, j'ai interrogé Jair sur les différents styles de combat que j'ai vu à l'heure. Elle s'y connaît beaucoup. Je n'ai pas mal appris et finalement je me suis senti prêt. J'ai lancé un nouveau défi et cette fois, je gagnais. Je suis maintenant le défenseur du 4ème cercle. Jair a dit que je vais assimiler très vite les techniques de combat et que le meilleur moyen d'en prendre avantage est de devenir défenseur. Jair est quelqu'un de très sage. Ok, tout le monde peut. Seul les druides. Mais nique-toi! Elle est aussi belle que brillante, elle est noire, elle est blablabla, tout le monde m'a souffri. J'aimerais te poser d'autres questions. Tu fais quoi? Il se passe quoi? Oui, l'esprit de la forêt qui est à la ville. Ok, salut. Je vais parler à ton voisin. Ah, Enna. Salutations. Salut. Est-ce que tu veux qu'on aille dans une tente? Oui. Guidez-moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oui, je sais, je m'en fous. Des rumeurs?
Des druides disparaissent, des esprits mauvais, des géants en colère. Mais qu'a faites-vous ici? C'est quoi les gardiennes? Je peux te lancer un défi? Mais merde! T'as failli choisir druide au début, je le savais, putain. Bon, cassons. Cassons-nous. J'ai un coffre qui m'attend. Je suis désolé, je voulais pas vous. Je ne voulais pas vous gêner. J'ai mis forcé. Je pense que j'étais un petit peu trop sûr. Un petit peu trop. Ensuite, nous irons voir en bas. Et après, bah, on ira au boss cap. 36 pièces d'or dans un coffre. Moi, j'ai une question, c'est comment ils ont apporté les coffres de la ville. Techniquement, ils viennent de la ville. Donc de la ville jusque dans une forêt vierge. Et ça, c'est un sorti vers le bois le pâle hiver. Attends, regarde-moi cette nature, ces décors. Cette musique, profitons de la musique. Oh, c'est beau, putain. Oh, putain, il y a même des escaliers, oui. Oh, c'est sans doute une ruine. Une ruine, une ancienne civilisation disparue. Salut le cerf qui rentre dans les murs. Ouais, il y a, comme qu'il a, une aura. Une aura de... Ah, de quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a même des détritus. Putain, c'est dégueulasse. Il y a des débris. Dans ces débris, on trouve un sort de niveau 2. Respectons. Et une superbe topaze. Oh, c'est beau. Cette ambiance est belle. On va sauvegarder. Est-ce que c'était... C'était ça, putain. C'était la bonne touche. Je me souviens de mes raccourcis. Oui. Alors allons-y. Oh, il y a un cerf. J'ai très envie de tuer un cerf. Juste pour savoir si je deviens mauvais. Ça serait marrant de devenir mauvais à cause d'un cerf. Bien. Toi, je... Ah, je t'ai pas parlé, toi. Bonjour. Salut à vous. Waouh. Qui m'a dit que je devais pas rentrer? Cassos. Bon. Salut à vous. Faut que je demande à mon papa. Ena, avec... Putain, il est où? Les potes, vous êtes où? Ah, voilà. Elgar, Junken. Il est où, Avil? Avil? Allô? Avil? Ah, un homme endormi. Est-ce que c'est lui? Est-ce que... Monsieur? Monsieur? Voilà, tiens, échec. Ok, bon, va... Va-te. Parce que 8... Nul. Alors, on cherche un homme qui s'appelle Avil. Ah bah tiens. D'accord, mais où est Avil? Avil? Non. Avil? Non. Ena? Non plus. Après, où est Charlie? Où est Avil? Avil? Ah putain, espèce de trou du cul. Bonjour à vous. Bonjour. Toutes les créatures de la nature sont les... Ta gueule. Je veux passer. Ah nanana. Oui. Ok, vous êtes revenu. En quoi puis-je vous aider? Ah oui, merde. Non, je veux sauver la forêt, blablabla. Asblablabla. Merde.
Quels sont les noms? D'accord. Ouais, ton fils route pour la dernière fois. Voilà. Portez-vous bien, des bisous. Alors, l'esprit de la forêt, là, ici, alors, à la ville, nanana. Trois de ces druides, alors, Terrari, Orlan et Brea. Eh bien, allons chercher ces personnages. Est-ce que le nain va pouvoir me laisser aller dans la forêt? Ce serait très gentil de sa part. Bon, trou du cul, numéro 2. Salut à vous. Merci, salaud.